tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un tour chez Lidl. N'hésitez surtout pas à vous abonner, je sors des vidéos tous les jours. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Arrivage de loisirs créatifs. Bon, on n'a pas énormément de choses, mais on va regarder quand même. Donc à 5,99€, on a des boîtes de crayons de couleur par 40 avec la boîte de rangement. Donc c'est pas mal, ça en fait quand même. Il y en a un de sortie. En gros, ça donne ça. C'est des crayons simples, hein, basiques. Comme ceci, couleur éclatante, très résistante à la lumière pour des activités créatives et des coloriages riches en nuances et des mandalas. Donc voilà. 40 couleurs, donc c'est pas cher. À côté, on a des mallettes avec chevalet à 12,99€ à la place de 17,99€. Alors, du coup, là, ils nous disent support de toile réglable en hauteur jusqu'à 56 cm avec inclinaison réglable en continu. Donc, vous pouvez vous en servir et la régler et régler en même temps. Donc, ça, c'est pas mal. Pour les dimensions fermées, c'est 27 x 9,8 x 36 cm. Et en gros, ça donne ça. Donc, garantie 3 ans, Crelando. À côté, qu'est-ce que nous avons? Des boîtes de rangement Lego en forme de tête de Lego, de bonhomme là comme ça. Donc ça c'est pas mal, c'est marrant pour les enfants, 9,99€. Voilà, 3 ans et plus, hop, pour ranger les Lego ou même ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Juste à côté, on a des toiles à 5,99€, donc ça c'est pareil, ils sortent régulièrement, donc c'est l'unité ou le set, ça dépend lesquels vous prenez. Donc les plus petites que je vois, déjà c'est celles-ci, et elles sont par 4, et c'est des 20 x 20, 380 grammes. Ensuite, on a celles-ci, du coup elles sont un peu plus grandes, et elles sont par 3, c'est des 25 x 30, voilà. Hop, à côté on a celles-ci, elles sont allongées, enfin horizontales, comme ceci. Donc là, il y en a 3 également. Et là, c'est des 20 x 60. Et on a ce lot-ci, donc par 2. Et là, c'est des 40 x 40. Donc normalement, ils ont aussi les maxi toiles, je crois, 60 x je sais plus trop combien. Et là, elle est vendue à l'unité, mais là, ils l'ont pas. Donc voilà. Juste au-dessus, on a des peintures ou pâtes à 8,99€. Donc les pâtes se présentent comme ça. On a 5 tubes de 100 ml. Après, pour les couleurs, je ne sais pas trop. Donc déjà, on a du doré, du blanc et du argenté. Donc voilà, après, je ne sais pas trop. Voilà, vous avez les 5 couleurs qu'il y a devant, en fait. Blanc, gris ou jaune. Ou au choix, au même prix. On a les peintures standard acrylique artistique. Et là, c'est des boîtes de 8 tubes de 100 ml. Donc pour les couleurs, c'est celle présentée juste devant. Juste à côté, qu'est-ce que nous avons? Donc on a d'autres peintures acryliques. Alors là, c'est toutes ces couleurs-ci. Ça en fait pas mal. Là, on a 18 tubes de 16 ml. Donc vous avez de tout, hein. Jaune, bleu, vert, marron, rouge, orange, blanc, noir, enfin voilà, toutes les couleurs. Juste au-dessus, c'est les mêmes boîtes de crayons qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a des accessoires de loisirs à 4,99€. Donc là, 7 perforatrices et motifs pour réaliser facilement des motifs perforés sur papier. Une pince maniable avec 10 motifs interchangeables. Changement facile des motifs et manipulation précise grâce au support magnétique. Donc voilà, c'est pas cher pour le prix, franchement ça va. Sinon au même prix, vous pouvez choisir de prendre des tampons à motifs. Donc là il y a 26 pièces, c'est pas cher non plus. Et de ce que je vois, on a des formes, des animaux, des feuilles, enfin voilà. Auto-encreur avec capuchon de protection pour décorer carte de vœux, album photo ou étiquette cadeau. Voilà, on a des sets de création de lanternes à 3,99€. Donc lanterne ou lampe, le set ou le lot. Donc là, c'est les lanternes du coup. Et là, il y en a 9. Donc pour les dimensions, c'est environ 28,5 x 24,5 x 8 cm. Donc c'est un espèce de dinosaure avec une casquette. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour le fabriquer.
Ensuite, on a un petit renard, 7 de création de lanterne, 9 pièces cette fois. Donc pour les dimensions, c'est pareil, 28,5 x 20,5 x 8 cm. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ici, un chat. Là, vous pouvez en faire 9. Donc là, pour les dimensions, c'est 31 x 23 x 8 cm. Là, on a des sets de création de lanterne comme ça. Donc là, ça a vraiment la forme de lanterne avec un écureuil, un hérisson. Là, vous pouvez en faire 15. Ou vous avez une étoile. Et là, vous pouvez en faire 7. Et pour les dimensions, c'est 18 x 19 x 8 cm.